Voilà, donc ils vont placer le taureau. Donc vous voyez, Roberto Allegri qui est resté aussi dans l'arène pour placer le taureau. Comme on le disait, qui s'intègre entre eux. Et c'est parti. Allez, Ivan, bien. Allez, Ivan. Bien, yeah, bien, Ivan, on peut applaudir. Voilà, on peut voir un taureau avec un tout petit peu plus de cornes, un peu plus costaud. C'est au tour de Rémi Fagaïs. Il porte le dorsal numéro 6. Allez Rémi. Allez, on peut l'applaudir, allez. Allez. Voilà, il se présente face au taureau. Attention. Bon. On va essayer de replacer les barrières. Essayez de ne pas trop bouger dans le caméron, s'il vous plaît, les spectateurs. Hop. Essayez d'appeler le taureau. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Il n'est pas dangereux. Voilà, on essaye de replacer les barrières pour éviter un danger. Je crois qu'il y a un petit souci sur les barrières. Voilà, donc ils essaient de garder. Attention, attention. Ne bougez pas, ne bougez pas. Évitez de trop bouger en contre-piste, s'il vous plaît. Attention, Guy. Attention. Rémi qui est en piste. Rémi qui va frotter le taureau. Allez, on applaudit, allez. Bougez plus, bougez plus, bougez plus. On bouge plus. Allez, allez Rémi. Allez Rémi, allez. Bon, et Rémi, Rémi, ça va? Rémi. Donc vous voyez, ce sont des figures très 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 dangereuses. Rémi, ça va? C'est bon, il arrive, c'est bon, il arrive. On peut l'applaudir, monsieur dame. En fait, c'est un écart au taureau, à genoux et de dos. Toutes les difficultés qu'il y a sur les figures dans les récoltes. Et on peut l'applaudir, monsieur Darme. Allez, Rémi, allez. Maintenant, c'est au tour de Victor Senso qui, pour la première fois ce soir, je vous le rappelle, va affronter le taureau. On peut l'applaudir car il va avoir une grosse pression ce soir sur ses épaules. Allez, Palmas, mon père, Las Palmas. Allez, voilà, Guy qui place le taureau. Attention, Guy. Regarde. On voit qu'à Beaucaire, les barrières sont quand même assez solides. Allez, Victor qui va se replacer. Après qu'on lui ait placé le taureau. Allez, Victor qui se met en place. Non, pas encore. Après ça. Si vous pouvez ne pas trop bouger, s'il vous plaît, derrière les barrières et derrière la contre-piste, s'il vous plaît. Car le taureau est très 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 attentif, il voit tout.
Donc veuillez ne pas bouger s'il vous plaît. Voilà, Victor qui rentre en piste. Allez, on peut l'applaudir. Attends. Allez, croyez-moi que d'avoir des encouragements, c'est très très bon pour le moral. Allez, Victor. Allez, on peut l'applaudir. Allez. Et Victor qui va tenter un Chievo de Rodillas. Et c'est pas... Ah, on va le replacer, on va le replacer. Donc on voit encore un taureau pas évident, qui réfléchit très très vite. Là, on a juste le corps pour pouvoir appeler le taureau. Voilà. Allez, Victor qui rentre en piste. Allez, on applaudit Victor, allez. Allez, et Victor. Allez, Victor. Yeah, yeah. On peut applaudir le signal. Allez, on repart avec Ivan Peña, qui porte le numéro 5. Voilà, Ivan qui est en piste. Allez, on applaudit, allez. Et le taureau qui part. Oda, bien, bien, Ivan. Voilà, Ivan qui vient de faire un récord sur la corne droite du taureau. Donc maintenant c'est à Rémi, vous voyez qu'il y a le pantalon déchiré qui va être obligé d'en racheter un. Allez Rémi, allez. Porte le numéro 6, allez Rémi. Allez. Allez, tous ensemble, allez. Rémi qui fait face à Gilou, au taureau. Ah, ne bougez pas derrière les barrières. Voilà, le taureau qui voit Rémi. Ça y est, et Rémi. Yeah, taureau qui a levé la tête. Un souple joint de Rémi. Bien Rémi. Vous avez pu le voir, le taureau qui a légèrement levé la tête. C'est ce qu'il y a de très dangereux lorsqu'on fait un saut. Car si on se fait prendre les jambes, donc on sait la suite. On va passer à Gonzalo de Desma qui porte le numéro 7. Allez. Gonzalo de Desma qui se présente face au taureau. Et le taureau qui le voit. Allez. Allez Gonzalo. Oh, le taureau qui part. Bien Gonzalo. Bien. On peut l'applaudir messieurs dames. Voilà qui lui a pris le taureau. Contrairement avec Ivan qui a pris le taureau sur la corne gauche. Alors c'est au tour de Victor. Allez Victor. Oui Joannin, tu disais que Victor va nous faire un salto aussi. Si. C'est son premier tour. Je vais vous inviter de faire.
Merito. On fait deux. Allez, on allez, on va faire un saut. Une figure. Alors Victor, vu qu'il a été touché sur son saut, il va refaire une figure sur le taureau. Allez, on applaudit, allez. Voilà ce qu'est d'avoir une passion, même après se faire burlader. Ah Victor, tu veux le taureau en haut. On va essayer de lui enlever la cape qu'il y a par terre. Voilà, c'est Christiane qui va essayer de monter le taureau. Voilà, le taureau qui le voit, qui accélère. Voilà. Le taureau est au bout. Et allez, on applaudit Victor, allez. Allez Victor. Voilà, on essaie de retourner le taureau pour que lorsqu'il se retourne, il le voit de suite. Voilà, c'est ce qui est fait. Et qui est tiré ? Yeah ! Allez, il est dans les poches. Oui, monsieur, il est dans les poches. Et on refait une ronde avec Ivan Peña qui porte le numéro 5. Voilà Rémi qui essaie de placer le taureau. Non, mais on... Non, mais en fait c'est fini. Et on remate le taureau, le faire tourner sur lui-même pour qu'il fatigue, pour qu'il puisse se mettre au plus près du taureau. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, c'est pour épuiser le taureau pour qu'il puisse être au plus près. C'est bon? Voilà. Allez, on va se présenter devant le taureau. On peut applaudir Ivan Peña, Rémi Gaillard de Sagaz, Gonzalo Ledesma et Victor Senso. Et le taureau qui en veut encore. Voilà Victor qui revient sur piste. Ils vont se présenter face au taureau, tous les quatre, pour le saluer, pour montrer le respect qu'ils ont envers cet animal. Et on peut les applaudir, tous les quatre.